Non, mais on cartonne le Maradja. Non, non. Lise, comme elle. C'est mort, mais là, aujourd'hui, dans la mer. Per favore, venite da me. On peut s'approcher. Tranquillement, du portrait de l'artiste. Portrait de l'artiste fait par Corentin Dallon, qui est un jeune homme à l'époque de Victor, qui avait une quinzaine d'années, qui est devenu aujourd'hui un des plus grands architectes du monde. Le portrait réalisé par Corentin Dallon à l'âge de 15 ans, du vivant de l'artiste, ce qui est absolument exceptionnel. Yeah. Maintenant, je vous demanderai de tenir les chiens en laisse, de laisser vos enfants au vestiaire et nous allons pouvoir commencer la visite. Les jardins de Jocelyne et Victor racontent, à vrai dire, une histoire d'amour. L'amour qui a existé après un coup de tonnerre, je dirais presque un coup de foudre, entre Jocelyne, épouse Cagnato, dite Croisy, et Victor Cagnato, fils d'immigré, parachuté à Chaponneau dans les années 70. Ils se sont beaucoup aimés et elles ont voulu marquer par la création de ce jardin la force de leur amour. Je vous demanderai donc de respecter le silence nécessaire pour la visite. Merci. Nous allons maintenant entrer véritablement dans le jardin de Jocelyne et Victor. Ce jardin est composé de deux grands espaces. L'espace du bas que nous appellerons le jardin du bas et l'espace du haut que nous appellerons le jardin du haut. Ce qui n'est pas sans nous rappeler les bling et les blang, les trois cordes du haut qui sont les basses et les trois cordes du bas qui sont les bling et les blang. Bien. On peut aborder ce jardin sous deux aspects. Un aspect historique, mais ce n'est pas le propos de la visite d'aujourd'hui. Et nous allons plutôt l'aborder sous un aspect anecdotique, n'est-ce pas ? Un aspect vivant. Une petite maison surmontée d'une licorne. Nous allons appeler cette œuvre le temple des amants. Vous comprendrez dans un instant la raison pour laquelle Jocelyne et Victor ont appelé, intitulé cette œuvre le temple des amants. Ils rencontrent sa bien-aimée et ils se dirigent ensemble dans le temple. Et que va-t-il se produire dans ce temple? Eh bien, le prodige de l'amour, que dis-je? Le vertige de l'amour. C'est pour cette raison que ce temple n'est pas le droit. Car lorsque vous rentrez dans le temple, malheureusement, et le temple est en restauration, il n'est pas accessible actuellement à l'intérieur, que quand on rentre dans ce temple, nous éprouvons tout systématiquement, il n'est encore jamais arrivé, bien sûr, messieurs, que personne ne ressente cette sensation d'un vertige, un véritable vertige, voire, je dirais, occasionnellement, et cela est arrivé, des évanouissements. C'est dans ce temple que s'est produit le déroulement du sentiment amoureux, la première rencontre. Et cette première rencontre a pu avoir lieu grâce à cette licorne qui surmonte cette petite architecture. Alors vous me direz pourquoi une licorne surmonte cette petite architecture? Eh bien tout simplement parce que la licorne, elle encorde.
elle encorne celui ou celle qui aurait une mauvaise intention en rentrant dans le temple. Ce qui peut arriver, ce qui vous est peut-être déjà arrivé. Mais s'il n'y a pas de mauvaise intention, la licorne n'encorne pas, mais elle protège. Mais les premiers jardins est né dans le désert. Bien sûr, vous allez me demander pourquoi un jardin dans le désert. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Sauf à certains endroits. Et que lorsque l'on trouve de l'eau dans un désert, on s'empresse de construire un mur autour de la source et à ce moment-là, on peut faire de l'élevage et de la culture. Et on peut aussi produire de la fraîcheur et de la vie. À vrai dire, le mot paradis vient du mot perse Pairidaisa. Pairidaisa, traduit mot à mot, signifie enclos de chasse royal. Donc les premiers paradis, c'est peut-être très décevant pour vous, mais n'a pas été celui d'Adam ou d'Ève, mais a été celui d'un roi qui pouvait chasser dans son enclos sans que personne ne l'embête. Le premier jardin est donné dans un désert, et par la suite, cette idée s'est répandue à travers l'univers, et nous pouvons trouver aujourd'hui dans toutes les régions du monde, toutes sortes de jardins. Certains connaissent peut-être certains de ces jardins. Il y a des jardins japonais, il y a des jardins chinois, il y a des jardins à la française, des jardins à l'italienne, des jardins anglais. Il y a également, ne l'oublions pas, car il n'y a pas de jardins qui ne sont pas nobles, les jardins ouvriers, que nous pouvons encore voir dans nos banlieues, ces jardins qui sont amoureusement entretenus par nos conducteurs SNCF ou autres chauffeurs de bus. Tiens, il y a toujours des traînards. Bien, peut-être vous l'avez senti, à partir du moment où nous avons franchi cet espace matérialisé par ce mur en métal, vous entrez dans un espace qui est différent, qui est moins sombre, qui est plus ouvert, qui est plus haut, car vous constaterez lorsque nous serons à l'extrémité du jardin que nous aurons franchi pratiquement 20 ou 30 mètres de dénivelé, ce qui est très important pour un jardin. Ici, nous entrons progressivement dans le cœur du dispositif et du jardin. Et vous pouvez voir ici la fontaine de vérité d'amour. La fontaine de vérité d'amour est la source originelle que l'on trouve, je le disais tout à l'heure, dans tous les jardins. Car il n'y a de jardin que s'il y a de l'eau. La fontaine de vérité d'amour, pourquoi? Eh bien, vous allez pouvoir, mesdames et messieurs, faire l'expérience. Je ne conseille pas à tout le monde de faire cette expérience, car c'est très dangereux. Car cette fontaine peut révéler des choses contrariantes. En effet, vous pouvez vous pencher pour voir le reflet de votre propre visage sur l'eau. Et si le visage de votre bien-aimé se reflète à côté du vôtre, c'est qu'elle vous aime ou il vous aime. Si, au contraire, le visage de cette bien-aimée ne se reflète pas à côté de votre propre visage, c'est, vous l'avez compris, qu'elle ne vous aime pas.
Donc, je conseille, je ne conseille pas à tout le monde de faire l'expérience, ça peut être très douloureux, très très douloureux. Merci, on va s'avancer, s'il vous plaît, vers l'entrée du jardin. Et on découvre petit à petit également les œuvres d'art qui sont installées dans ce jardin, œuvres d'art qui ne sont pas toutes créées par l'artiste lui-même, mais par ses amis, ses rencontres, ses amours, qui ont spécialement pensé des œuvres d'art pour ce jardin. Vous avez ici l'œuvre de Henri Mouvant, grand peintre fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Canatou qui a créé cette œuvre dans sa jeunesse. Et cette œuvre est intitulée Cage, comme vous pouvez le voir. Simplement que cette cage est très lourde. Et que les jours de vent ou de grand vent, cette cage très très lourde, si vous voulez approcher messieurs dames pour souffler, vous vous approchez messieurs dames pour souffler, la cage va bouger uniquement par le souffle de votre propre capacité thoracique. Un, deux, trois, soufflez. Exceptionnel. Merci du coup de fou. J'ajouterais que cette œuvre n'est que la réplique miniature d'une œuvre plus monumentale qui a été commandée à l'artiste à la fin du XXe siècle par la ville de Lyon. Œuvre que vous pouvez voir dans un jardin public qui s'appelle le Parc Bopi à Lyon. Et cette œuvre qui est exactement la réplique de celle-ci, mais en plus monumentale, contient les galets de la moraine du Rhône que l'on trouve dans les parcs aujourd'hui aménagés pour les surfs à voile, dans les parcs qu'on trouvait dans les gravières de ce parc et qui était une mine de galets apportée là par les glaciers de l'ère quaternaire, Jocelyne, s'il te plaît, quaternaire. Voilà. Cette grille est formée par un quadrillage industriel, régulier, systématique, automatique. Vous pouvez remarquer que le rappel de cette grille, on peut le retrouver sur cette cage, et que la ligne verticale de cette sculpture vient tout à fait se superposer avec la ligne verticale de ces murs. C'est là, messieurs, dames, un détail que l'on ne peut voir que si l'on s'attarde et si l'on visite plusieurs fois le chef-d'œuvre de Victor Canatou. Tout près de cette cage, vous pouvez trouver, messieurs, dames, toujours composé avec la même intention, un poème de Jean Tonini. Jean Tonini, poète écrivain, dont une copie vous est présentée en silicone. Une vieille divinité qui, si on l'observe de très près, a une tête de mort et un ventre de femme enceinte. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs, car beaucoup de collègues pensent qu'elle n'est pas enceinte, mais qu'elle est simplement grosse et qu'elle a peut-être un peu d'aérophagie. Ce qui expliquerait qu'elle chie beaucoup et qu'elle produit depuis son antiquité une sorte de guano que vous pouvez voir encore ici représenté. Elle symbolise le passage dans l'autre monde dans lequel nous allons entrer. Alors, pour entrer dans cet autre monde, il faut savoir, messieurs, dames, qu'à partir de maintenant, le jardin n'est pas complètement terminé. Jardin du Haut,
C'est un jardin qui va être extrêmement simple, dépouillé. En fait, j'ai imaginé une sorte de champ de bataille. Enfin, pas vraiment champ de bataille. Je disais que quand j'ai visité les champs de bataille de Verdun, autour de Verdun, j'avais été extrêmement impressionné parce qu'on pouvait encore voir, tu vois, c'est-à-dire des bosses, des crues, des bosses qui n'étaient pas encore, qui n'avaient pas encore disparu parce qu'il y a eu tellement de bombes. Et j'avais été ému, j'ai dit un jour il faudrait que je fasse quelque chose. J'avais imaginé à ce moment-là qu'on me commande un mémorial pour tous ces gens qui sont morts. Et j'avais eu l'idée de faire, au lieu de mettre des tombes qui se succèdent les unes à côté des autres, qui sont toutes alignées, j'ai dit il faudrait que je mette des étoiles, comme une sorte de champ d'étoiles. Et bien ici, c'est pas tout à fait le même contexte, mais c'est un petit peu ce qui va se passer. J'ai imaginé que les étoiles sont... Des étoiles sont tombées du ciel et se sont plantées là. Il y a eu une sorte de bombardement. Et voilà. Donc, en gros, il va y avoir quoi ? 9 étoiles. Hein. Je ne sais pas pourquoi 9. C'est amusant que... quand tu parles de bombardement, il y a un avion qui passe au-dessus de nous. C'est un signe. Mais les avions, ils m'inspirent aussi sur cet endroit parce que tu vois, toutes les petites... Tous les petits tuyaux rouges que tu vois ici, en fait, ça va être des balises, des petites balises au sol, et qui vont faire penser un peu à un terrain d'atterrissage. Alors, c'est pas vraiment un terrain d'atterrissage pour avion, mais dans mon idée, ce serait plutôt une sorte de soucoupe volante, un truc plutôt de ce genre-là. Alors, j'ai un copain qui un jour me dit, mais non, tu devrais bitumer tout ça. Et puis tu traces un grand cercle, et puis tu installes... Il y a 3 fauteuils là, voilà, il n'y en a plus que 2. 3 fauteuils en métal, et on s'assied, et on attend que les hélicoptères se posent. Voilà. Bon, espèce de fantasme comme ça. J'ai toujours voulu faire un jardin, au fond, je crois. Hein? Et le premier jardin qui m'a vraiment fasciné, c'était un petit jardin qu'avait fait mon père, devant notre petite maison en Italie. Je sais maintenant que ce jardin-là a eu une importance dans mon existence, dans mon parcours. Et puis, aussi parce que comme je suis un déraciné, hein, j'ai eu le désir très fort de pouvoir trouver des racines sur cette terre-là. Et alors ici, j'ai trouvé... mon amour, un grand amour, j'ai de la chance. Et j'ai trouvé aussi une terre. Donc, eh bien, à force de traverser cet espace entre ma maison et l'atelier, un jour je me suis dit, mais Victor, n'attends pas qu'on te dise de le faire, fais-le, ce jardin. Et ce jardin, tu ne vas pas le faire n'importe où, tu vas le faire ici. C'est, pour le moment, ici, c'est faisable, c'est chez toi. Hein. Donc ça, c'est une des premières motivations, c'est de retrouver un peu mes racines, de me réconcilier aussi un petit peu avec l'histoire de mes parents, parce que mes parents sont venus en France, ils en ont bavé, quoi. Et donc, d'une certaine manière, c'est ici retrouver un peu de terre. D'ailleurs, c'est ici que reposent les cendres de mes parents, parce que avec mes frères et sœurs, on n'a jamais su vraiment où on allait les mettre, quoi. Dans quel cimetière, pour quelle raison. Et un jour, j'ai proposé à mes frères et sœurs, ben, mettons les cendres des parents ici à Chaponneau, et là où je fais un jardin. Donc ça, c'est une raison. Et l'autre raison, c'est aussi parce que j'ai compris à un certain moment que faire des œuvres, c'est bien, mais au bout d'un certain temps, on accumule des œuvres, on les fait pour qui, on les fait pour quoi. On ne sait pas trop. Si c'est pour vendre mes œuvres à des milliardaires, ça ne m'intéresse pas
forcément. Et puis si c'est pour les éparpiller à droite, à gauche, ou les stocker dans une cave ou un grenier, ça ne m'intéresse pas. Alors, j'ai pensé que mes œuvres, eh bien, j'allais les installer ici. Et comme je sais que mes œuvres racontent l'histoire de ma vie, eh bien, j'ai décidé de raconter l'histoire de ma vie ici, dans ce jardin. Et l'histoire de ma vie, c'est l'histoire aussi d'amour que j'ai avec Joss. Et donc, c'est pas un jardin de paradis ici. Ça, c'est vachement important. Parce que le jardin de paradis, tu manges la pomme, après tu bosses toute ta vie, t'en baves. Non. Ici, c'est un jardin d'amour. Hein. Dans un jardin d'amour, c'est pour moi qui l'ai inventé, hein. Dans un jardin d'amour, on peut s'aimer sans être puni, quoi. Donc c'est plus un jardin d'amour. Et c'est aussi ma manière à moi de témoigner. C'est-à-dire de dire, voilà, j'ai aimé quelqu'un dans ma vie. Voilà comment s'est transformé un jour cet amour. Comme s'il s'était pétrifié. Tu vois, une histoire d'amour, ça naît, ça meurt, et puis après, il n'y a plus rien. Eh bien, moi, il restera un petit bout de ce jardin. Je ne sais pas s'il va me survivre après moi. Mais quand même, ce jardin raconte notre histoire d'amour. Je ne sais pas si on peut dire que c'est aussi, ce sera mon testament. C'est ce que je vais laisser quand je serai mort. C'est ce que j'aimerais pouvoir dire à la fin de ma vie, si j'ai encore la lucidité et les moyens de le dire. C'est de répondre à celui qui me posera la question, mais est-ce qu'on me la posera cette question? Alors Victor, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? De ton talent? Eh bien, ma réponse, elle est simple. Alors, dans ma vie, j'ai fait un jardin. Et ça, rien que ça me plaît beaucoup. Je crois qu'il y a des tas de créateurs, notamment des écrivains, des dramaturges qui ont inventé toute une histoire à partir simplement de trois mots qui leur plaisaient. Eh bien, moi, c'est ça. Ça me plairait bien de dire, voilà, dans ma vie, j'ai fait un jardin. C'est déjà pas mal, non? Hein? Le voisin, quand j'ai fait les murs, il est venu me voir, il m'a dit, mais dis donc, Victor, qu'est-ce que tu fais là? Je peux plus aller te voir dans ton atelier. C'était petit Paul, un petit prolo qui faisait son jardin, là. Je l'adorais, cet homme. Je lui ai dit, bah, écoute, petit Paul, t'inquiète pas. Je vais faire une porte spécialement pour toi. Alors ça, c'est la porte qui permettait à petit Paul de venir dans mon jardin. Mais entre-temps, il est mort. Et tu vas voir, alors de l'autre côté, on a une belle vision de... Hein? On a une vue ici. De temps en temps, je viens parce que ça me permet de voir le jardin comme un étranger, tu vois. Parce que je suis tellement dans mon jardin que pour moi, mon jardin, des fois, je le trouve moche, tu vois, je me dis, putain, je le vois plus. Hein? C'est la brouette du papa de Joss. Alors, c'est une brouette qui a vécu très très longtemps. D'ailleurs, elle était tellement usée qu'il avait déjà remis lui-même des tôles dedans. Et quand le papa est mort, j'ai pas pu foutre en l'air cette brouette. Et d'autre part, parce que la première fois que j'ai visité le palais idéal de Ferdinand, il avait fait une petite niche dans sa maison, là. Et dans cette niche, il y a sa brouette, sa truelle et éventuellement peut-être une pelle ou deux, quoi. Voilà le matériel avec lequel il avait construit son palais. Donc, voilà, de cette brouette, eh bien, j'ai fait une sorte de germination comme ça, avec des étoiles. Voilà. C'est devenu un mobile star. Ça, c'est la tôle avec laquelle je suis devenu le bienfaiteur de l'humanité, m'a dit un de mes amis.
J'ai trouvé ça sur un terrain vague et j'ai trouvé cette tôle tellement belle que j'ai pas pu la laisser sur place. Je l'ai emmenée et puis quelques années après, eh bien, j'ai essayé d'en faire quelque chose et jamais réussi. Jamais réussi parce que on peut rien faire de plus que ça. C'est une véritable sculpture. Ça répond à toutes les lois de la sculpture. La seule chose que j'ai pu faire, c'est déposer une toute petite maison ici pour enlever à ce tas de ferraille son caractère, on va dire, anecdotique, quoi. Ça devient un paysage, ça devient une montagne. Voilà. C'est plus une tôle. Et ce qui m'intéresse, c'est que cette tôle, elle est moche. Et cette petite maison-là, eh bien, lui confère un caractère, on va dire, de beauté, hein, esthétique peut-être, de beauté, de poésie aussi. Hein. Je crois avoir trouvé le titre de cette œuvre. Je vais l'appeler Crash Test. Ça me plaît bien en ce moment, je donne des noms comme ça, un peu Crash Test. Ça, c'est Mobile Sky. Là-bas, j'ai Castrol Bird. On va voir Castrol Bird. Hein? Castrol Bird. Attends, je trouve les clés dans mon bazar. Castrol Bird. Voilà Castrol Bird. J'ai toujours été fasciné par les bidons, hein, enfin les barils. Je trouve que c'est une forme absolument parfaite. En plus de ça, c'est une unité de mesure que tout le monde connaît bien, le baril, hein, on en parle beaucoup en ce moment. Donc voilà, je vais présenter ce baril dans une école de marketing, de management et de commerce, tout à fait dans le sujet. Et au lieu de présenter ce baril normalement, eh bien, je fais mon travail d'artiste, de sculpteur, c'est-à-dire que au lieu de le présenter droit, eh bien, je vais un peu le basculer, ce qui déjà lui confère un sens différent, et je vais poser un petit oiseau sur le baril pour enlever un peu comme la tôle froissée qui est là-bas, enlever le côté anecdotique. Moi, je ne veux pas faire de la politique, je ne veux rien dénoncer là-dedans. Et je me demande quand même si je ne vais pas rajouter, mais ça, j'en suis pas sûr, hein. Ça, c'est un fantasme. Voilà une station de radio qui donnerait les cours de la bourse sans interruption. Genre station de radio, information en continu, en boucle. La chaise aussi va faire partie d'une des pièces que je vais présenter dans cette université. Cette chaise, elle m'a été inspirée par une tradition chez les gitans. Les gitans qui vivaient dans des roulottes, peut-être aujourd'hui ça se fait encore, je ne suis pas sûr. Lorsque le père mourait, le patron de la roulotte mourait, eh bien on brûlait aussi sa roulotte. Et ça, je trouvais ça extraordinaire, cette idée, parce que des fois, c'était des roulottes vachement belles, quoi. Mais pour eux, c'était plus important de brûler la roulotte. Alors, un jour, ben, moi, j'ai fait un certain nombre de pièces qui avaient un lien un peu avec la mort de mes parents, le mobilier funéraire, etc., le feu, la purification par le feu, la crémation. Et donc, j'ai pris une chaise et j'ai dit, tiens, j'ai commencé à la brûler. Et puis, comment exprimer visuellement le feu, une chaise qui brûle, le mouvement des flammes? Eh bien, simplement en découpant des bouts de bois dans le sens du bas vers le haut, comme ça. Et
Et avec un chalumeau, j'ai commencé à brûler tout ça, à peindre tout ça en noir. Et voilà, c'est la chaise qui brûle. Alors, je pense que ça a quand même un lien avec la mort. D'ailleurs, en ce moment, c'est ma fille qui me l'a dit, il n'y a pas longtemps, là, en venant voir mon travail à l'atelier, elle me dit, papa, je trouve que tu parles beaucoup de la mort dans ton travail. Et ben, je crois qu'elle avait raison, moi j'en avais pas pris conscience. Et là, je suis en train de travailler sur une pièce. Alors la mort, aussi à travers cette Pietà, cette Pietà qui au fond, ben, le corps de Christ est devenu un chien, et la mère est devenue un bloc de béton avec deux grands bouts de ferraille qui le portent. Le modèle, c'était ça au départ. Ouais, le modèle, c'était ça au départ. Quand je pense à une Pietà, je vois toujours la Pietà de Michel-Ange qui l'a sculptée, je crois, quand il avait 18 ou 19 ans, qui est pour moi le chef-d'œuvre absolu de la sculpture et que je ne peux même plus regarder tellement je suis ébloui par, comment dire. Quand on regarde cette Pietà de Michel-Ange, je me dis, mais mon petit Victor, tu n'as plus qu'à aller planter tes poireaux. Bon, puis après on passe à autre chose. Alors ici, c'est une sculpture que je modèle avec de la terre glaise, du polystyrène, du bois. Comme ça, ça a l'apparence d'une sorte de jardin zen ou d'un bloc de terre sur lequel pousse un arbre. Mais si on tourne, eh bien, on se rend compte que finalement, c'est une sorte de crâne, quoi. C'est une tête de mort avec les deux cavités des orbites ici. Alors là, la difficulté, ça va être de ne pas tomber dans l'anecdote. Parce que, bon, faire une tête de mort, ça n'a pas forcément d'intérêt. Il faut suggérer, évoquer, ne pas illustrer. Il faut qu'en même temps, ça ait une certaine force plastique. Il faut que ça ait du sens. Alors bon, pour le moment, j'en suis là. Je ne sais pas du tout comment ça va se terminer. J'ai une autre idée aussi, avec toujours à partir d'un crâne comme ça, ou de l'évocation d'un crâne, c'est de lui faire germer des étoiles. Alors les étoiles, ben, je ne sais pas pourquoi, j'en fous de partout. Ça peut sembler un peu ridicule, mais quand je suis dans cette pensée-là, j'ai l'impression d'être extrêmement attaché à ma terre natale, alors que je n'ai vécu en Italie que très peu d'années, les années de mon enfance. En fait, dans ma vie, il y a eu deux grands moments de bonheur. Il y a eu mon enfance en Italie, et puis l'autre qui a débuté lorsque je suis entré à l'école des Beaux-Arts et que j'ai rencontré Jocelyne, jusqu'à aujourd'hui et j'espère jusqu'à la fin de ma vie. Entre la découverte de mon amour et le fait d'avoir quitté mon sol, là il y a eu un moment de drame. Un moment où finalement j'en ai bavé, un moment douloureux. Je n'étais pas malheureux, mais un moment douloureux. Et ça aussi, c'est ridicule. Dans un an, je vais retourner en Italie, faire un petit voyage dans la région où je suis né. Et c'est ridicule, mais quand j'arrive sur la terre natale, je l'embrasse. C'est émouvant, c'est une histoire de terre. Et donc ici c'est la terre de Jocelyne à l'origine, parce que moi je suis étranger ici. Quand je suis arrivé ici, j'étais un étranger. Et Jocelyne m'a permis de ne
plus être l'étranger. Et je crois que le fait d'inscrire ce jardin sur cette terre émouvant. Jocelyne m'a permis de retrouver une terre, quoi. Voilà. Joss m'a laissé entrer sur sa terre et le fait d'implanter ce jardin sur cette terre fait que maintenant je suis d'ici. Je suis d'ici. Ça, c'est trop émouvant pour moi. Je peux pas. C'est...